le réseau Ouest Africain, votre réseau, qui est composé de scientifiques africains et d'ailleurs, travaillant sur divers aspects liés à la biologie, au contrôle et à la surveillance des moustiques à Aedes, est une opportunité, en tout cas pour nous, pour guider l'action de nos pays en matière de prévention et de lutte contre les maladies. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ce jour pour vous féliciter, encourager le réseau Ouest Africain de surveillance des Aedes ainsi que tous les partenaires qui accompagnent ce réseau pour l'engagement et les efforts inlassables qui sont faits pour la mise en place de stratégies concrètes en vue surtout d'améliorer la santé et le bien-être de nos populations dans notre sous-région. Je voudrais, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, vous souhaiter d'excellents travaux dans ce paisible cadre de l'hôtel suprême de Grand Bassam. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, notre réunion de ce matin et des jours qui vont suivre nous engage à pouvoir mener des réflexions et des travaux de qualité dans le cadre de la surveillance et la lutte contre les maladies à vecteurs. L'épidémiologie de ces vecteurs n'est pas statique. En témoigne la présence en Afrique d'Anopheles defensi. Toute chose qui nécessite la conjugaison des efforts multisectoriels, tant au plan national qu'international, car les moustiques n'ont pas de frontières. Les moustiques Aedes aegypti, les moustiques blanc-noir qui nous piquent à partir de 16h, 17h. Il faut dire que ce sont ces moustiques qui sont à la base des épidémies de fièvre jaune et de dengue. Nous connaissons que nous avons une épidémie en cours présentement au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la ville d'Abidjan. Et nous nous accentuons à pouvoir, au niveau de la Côte d'Ivoire, déterminer les insecticides qui sont efficaces pour lutter contre ce moustique. Et les études ont été réalisées au niveau d'Abidjan. Et ceux qui sont en cours sont sur toute l'étendue du territoire afin que le ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire puisse être apte à pouvoir lutter véritablement contre ce fléau qui, présentement, est une menace pour la population au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce réseau qui regroupe 19 pays ouest-africains est un challenge pour nous pour pouvoir fédérer nos énergies, nos forces et nos connaissances afin de pouvoir faire face aux différentes épidémies qui, ces dernières années, est fréquente dans la sous-région ouest africaine. Vous savez, il y a des cas de décès dus à la fièvre jaune et aussi à la dengue chaque année dans notre pays et aussi dans la sous-région. Et le moustique qui transmet aujourd'hui pose un certain nombre de challenges, et principalement sur la résistance qu'il développe face aux insecticides qu'on envoie à leur encontre pour contrôler la maladie. Et aujourd'hui, nous connaissons très bien ce moustique et nous avons ciblé, nous l'avons identifié, ciblé, et son mode de reproduction aussi est connu. Et donc nous pouvons contrôler efficacement ce moustique. Et d'ailleurs, il est juste derrière moi, il est de couleur noire avec des taches blanches sur le corps et donc facilement identifiable par une personne profane qui n'est pas du domaine. L'intérêt de cette réunion de ce réseau qui s'intéresse à l'Aedes, qui est un vecteur de plusieurs maladies telles que la dengue, le Zika, la fièvre jaune, pour ne citer que ces pathologies, et également qui va également porter sur les autres moustiques tels que l'anophèle, qui est responsable de la transmission du paludisme. Donc l'intérêt, dis-je, est que c'est une réunion qui permet de pouvoir fédérer plusieurs acteurs, notamment des experts, et des chercheurs, également des épidémiologistes, de sorte à pouvoir échanger sur les expériences des pays en matière de surveillance et de lutte contre ces vecteurs et pouvoir trouver des solutions durables et efficaces pour venir à bout des maladies transmises par ces vecteurs. Alors,
Ici, donc, sont réunis ces chercheurs, mais il faut dire que les solutions qui seront trouvées devront être implémentées également par les communautés. Et c'est très important que ces communautés soient impliquées dans la mise en œuvre des stratégies. Et comme stratégie, à titre d'exemple, lorsque la dengue est survenue en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il y a eu des stratégies de contrôle du vecteur, de lutte antivectorielle, notamment en sensibilisant les populations par rapport à l'assainissement du milieu, de sorte à pouvoir lutter contre les gîtes larvaires, que sont les flaques d'eau, toute petite collection d'eau, mais également il y a eu des activités de démoustication. Et pour que ces activités puissent avoir le plein succès, il faut bien sûr l'adhésion de la population. Donc aujourd'hui, il doit y avoir une conjugaison entre les scientifiques et les communautés qui sont bénéficiaires des résultats de la science. Je me dois, en tant que directrice, de surveiller et d'apporter un apport non seulement logistique, aussi financier aux partenaires impliqués dans la lutte contre ce moustique Aedes. Et je me dois aujourd'hui d'être là pour mener encore mon support et au nom de l'Université de Lugushi pour apporter mon soutien sans faille au réseau. C'est bon.